dernière, on avait fait un bon concert en plein air, et c'était bien, quoi. Personne n'y croyait, et on a vendu 750 repas, on a estimé à peu près à plus de 1000 personnes sur la place du village. Ça s'était jamais fait ici. Du coup, cette année, on est parti sur un plus gros concert. On a fait venir quand même les gens qu'il y a derrière vous. Il y a quand même le meilleur groupe d'Irlande. Il y a le musicien qui fait de la cornemuse irlandaise, l'instrument qu'on tient actuellement. C'est le meilleur joueur de cornemuse irlandaise au monde en ce moment, quoi. Le meilleur album de l'année en Irlande. Et donc, on essaie de faire plus gros. Et si on arrive à trouver des fonds pour l'année prochaine, on fera encore plus gros, quoi. Donc, voilà. L'année dernière, on avait 52 stagiaires pour les masterclass. Les stagiaires, c'est très important. C'est ceux qui font vivre le festival, qui sessionnent tous les soirs dans les bars et qui, en plus, nous filent des coups de main parce que c'est des gens qu'on connaît. Et cette année, on en est à 97 stagiaires. Donc, on a doublé. Mais 97 stagiaires, il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à entendre parler et donc qui viennent que pour faire les sessions le soir, qui vont se promener en montagne la journée. Donc, on estime à peu près à 120 musiciens sur la semaine sur la station, plus les profs. Et donc on a du mal à estimer, c'est là notre problème en fait sur l'organisation, c'est qu'on est un peu dépassé, on a du mal à estimer. Et lundi soir à la salle des fêtes, il y avait presque trop de monde dans la salle des fêtes. Oui. Donc samedi on espère sur un grand beau temps. Ouais. Donc on espère grand beau temps samedi. Nous on est parti sur 1500 personnes, mais peut-être qu'il y aura plus. Nous avons passé un bon moment. C'est un bon festival. Les gens sont toujours joyeux à cause de l'altitude. Pas à cause de l'alcool, à cause de l'altitude. Les gens sont fantastiques. Il y a un vrai enthousiasme pour la musique. Il y a des sessions qui durent toute la nuit avec des super musiciens. C'est vraiment génial. Très sympa. De Lyon juste pour la soirée, quoi, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le concert, mais qu'ils savent après que ça va continuer dans les bars et qu'ils vont pouvoir jouer avec les grosses stars. Donc il y a des très bons musiciens qui montent juste pour la soirée, qui arrivent de Lyon, de Grenoble. C'est ce qui s'est passé lundi. Il y avait déjà plein de musiciens qui sont montés de Grenoble juste pour la soirée, qui ont planté la tente, qui sont repartis le lendemain matin. Bah, cette ambiance session qu'on entend un peu là derrière qui débarre, c'est pour nous, c'est vraiment très fort. C'est une musique orale, une tradition orale. Donc les morceaux se transmettent beaucoup en écoutant les joueurs meilleurs que nous. Et ben voilà, on a essayé d'organiser quelque chose où on a la possibilité d'avoir des joueurs bien meilleurs que nous qui viennent pourquoi pas dans un village de montagne sympathique.